Pas de cadeau, si est-il le credo qu'a visiblement adopté le prince Harry pour 2023. Depuis la fin d'année dernière, le duc de Sussex enchaîne les confidences croustillantes sur les coulisses de la monarchie et n'est apparemment pas prêt de stopper les révélations. Dans Spare, les mémoires du prince publiées le 10 janvier prochain, le mari de Meghan Markle lève le voile sur sa vie, son intimité et les liens qui l'unissent au reste du clan royal. A commencer par son père, le roi Charles III. Dans les pages de ses mémoires dont des extraits ont été dévoilés, le prince Harry revient sur les rumeurs de liaison entre la princesse Diana avec James Hewitt. À l'époque, elles vont même jusqu'à remettre en cause la paternité du prince Charles envers le jeune Harry. Des faits que l'aîné de la reine Elisabeth II prenait avec le sourire, au point d'en blaguer avec Harry, « Qui sait si je suis vraiment ton père ?» Une blague de mauvais goût que le petit frère de William n'a pas bien pris. La liaison entre la princesse et James Hewitt a été confirmée par la principale intéressée. Et si est-il la ressemblance entre l'homme et Harry qui a mis la puce à l'oreille de nombreuses personnes concernant la véritable identité du père du prince Harry? Harry sans pitié avec Charles et William. Le roi d'Angleterre en prend certes pour son grade mais il n'est pas le seul. Le prince Harry a aussi évoqué les querelles avec son frère William. Une discussion entre les deux aurait d'ailleurs dégénéré alors que le mari de Kate Sen prenait littéralement à Meghan Markle, la traitant de malpolie. Les frères en seraient alors venus aux mains. Il faut dire qu'entendre son frère l'accuser de vendre des infos sur lui et Meghan à la presse l'a fait sortir de ses gonds. Dans un excès de colère, William aurait saisi son frère par le col de sa chemise et l'aurait jeté au sol sur la gamelle du chien. Les efforts de la famille pour calmer les rumeurs au sujet d'une brouille entre les deux frères sont officiellement réduits à néant.